L'Envoyé d'Allah était entouré de compagnons nobles et pieux. Il a ainsi promis à certains d'entre eux le paradis, à savoir Abu Bakr al siddiq Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaidullah, Zubayr ibn al-Awam, Saad ibn Abi Waqas, Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaid, Omar ibn jarrah et Abdrahman ibn Awf. Qu'Allah les agrée. Ibn Taymiyyah a dit au sujet de ses compagnons, qu'Allah les agrée, Quiconque lira leur biographie avec compréhension et perspicacité, et connaîtra la récompense que Dieu leur accordera, réalisera certainement qu'ils sont les meilleurs des humains après les prophètes. Il n'y a jamais eu personne comme eux, et il n'y en aura jamais. Abu Bakr al Il fut le premier homme à se convertir à l'islam. Il fut le fidèle compagnon du prophète, le suivant dans toutes ses conquêtes et dépaulant à chaque bataille. Il fut le premier calife de l'islam. Omar ibn al-Khattab, Il était connu pour sa justice et sa droiture. Il était doté d'un grand savoir. C'est lui qui a ordonné de regrouper la parole d'Allah dans un seul volume. Il craignait tellement son Seigneur qu'à force de pleurer, on pouvait distinguer deux traits noirs sur son visage. Il fut le successeur d'Abu bakr al -Siddiq, Othman ibn siddiq Lagré. Il fut le troisième calife. Il épousa la fille du prophète, Rokhiya, qu'Allah soit satisfait d'elle. Puis quand celle-ci mourut, il épousa sa sœur, Umm qu'Allah soit satisfait d'elle. Il est surnommé l'homme aux deux lumières, sans doute en raison de ces deux femmes. Le messager d'Allah, salem l'appréciait et avait confiance en lui. Il fut assassiné par les ennemis de l'Islam qui établirent un complot contre lui. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. Il était le cousin et le gendre du messager d'Allah. Il fut le premier enfant à embrasser l'islam. Il était l'époux de la fille du prophète Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle. Il participa à de nombreuses batailles aux côtés du messager d'Allah, et fut le quatrième calife de l'islam. Talha ibn Ubaidullah. qu'Allah l'agrée. Il fut parmi les premiers à être torturé pour l'islam. Il participa à un bon nombre de batailles auprès du messager d'Allah. Lors de la bataille de Uhud, il fut touché plus de 60 fois et perdu son pouce. Il fut tué par Marwan ibn al-Hakam. Zubayr ibn al al-Awwam, qu'Allah il était le cousin du messager d'Allah. Il embrassa l'islam à 15 ans et épousa la fille d'Abou Bakr as siddiq Asma, qu'Allah soit satisfait d'elle. Ce compagnon participa à toutes les batailles aux côtés du messager d'Allah et fut assassiné par Ibn alors qu'il rentrait chez lui. Sa'ad ibn Abi qu'Allah Quant à lui, se convertit à 17 ans. Ce compagnon était un homme doté d'un grand courage, Allah. Il mourut à l'âge de 55 ans et fut enterré à Médine. Saïd ibn Zayd kalla il était le cousin de Omar ibn al-Khattab Lagré. il fut parmi les premiers à embrasser l'islam et mourut à Médine. Abu Ubaid Omar ibn Jarrah Lagré. il participa à toutes les batailles. Omar le nomma chef de l'armée à plusieurs reprises lors de son califat, il mourut de la peste en Syrie. Abd Rahman ibn Awf Lagré. Il émigra vers Médine et participa à toutes les batailles. Lors de la bataille de Uhud, il fut victime de plus de 20 blessures. Il était le proche conseiller du calife Omar, qu'Allah l'agrée, et dépensait beaucoup pour les pauvres. À l'approche de sa mort, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui offrit l'honneur d'être enterré à côté de Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. Cependant, il refusa cet honneur, affirmant ne pas le mériter. Il était un exemple d'humilité, jusqu'à son dernier souffle, masha'Allah. Qu'Allah fasse miséricorde aux compagnons du prophète, puissent-ils être satisfaits d'eux et de ceux qui les ont suivis